Nous allons maintenant créer une condition avec un niveau alternatif. Par exemple, dans le niveau 3, le synopsis prévoit que nous ayons une condition si le groupe a de l'éclairage ou non. Donc nous allons devoir dupliquer le niveau 3. Nous nous retrouvons avec un niveau 3 clone qui est en position 20. Position 10, position 20. Donc on pourrait très bien les inverser en faisant ça. Donc il y a moyen de jouer sur la hiérarchie au sein des niveaux. On met toujours la condition sur le premier. Toujours. Car le système vérifie la condition. Si elle n'est pas remplie, il passe au suivant. Il vérifie la condition du suivant. Si elle est vérifiée, il s'arrête. Si elle n'est pas vérifiée, il passe au suivant, et ainsi de suite. C'est pourquoi il faut toujours que le dernier niveau alternatif n'ait pas de condition pour qu'il puisse être vérifié quoi qu'il arrive. Donc, même si vous faites deux niveaux avec premier niveau, condition, est-ce qu'il y a une torche? Deuxième niveau, est-ce qu'il n'y a pas de torche? Donc forcément, on est dans un cas ou dans l'autre, mais par mesure de sécurité, on fera juste premier niveau, est-ce qu'il y a une torche? Deuxième niveau, tous les autres cas. Donc voici les conditions. Alors, on peut afficher un texte si toutes les conditions sont réunies. Cependant, on n'a jamais utilisé cette option. Alors, on peut avoir des conditions sur le nombre de héros présents dans le groupe. On peut avoir des conditions sur les statuts de légende. Ça, je reviendrai plus tard sur un tutoriel spécial dédié aux légendes, mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Sur les points de gloire de tout le groupe, sur la somme des niveaux du groupe, sur la moyenne des niveaux du groupe, sur des probabilités, donc là ça veut dire que c'est aléatoire. Tout simplement, le nombre de comptes premium, donc ça maintenant ça n'a plus cours, puisqu'il n'y a plus de premium sur VOD. Sur l'état du groupe en point de vie, l'état de la mana pour le groupe, les phases de la lune. La présence de classes de personnages, donc si on dit au moins deux archers, ben, s'il n'y a pas deux archers, ça ne marchera pas. Ensuite, sans certaines classes de personnages, donc si il y a un prêtre, eh ben hop, ce niveau apparaît. S'il n'y a pas de prêtre, ce niveau apparaît. Ça peut être des conditions de jour, d'heure, de durée, c'est-à-dire que le donjon est accessible tel jour, entre telle heure et telle heure. Ça peut être un jour de la semaine ou plusieurs. Donc ça, on peut le sélectionner ici. Ensuite, ça peut être avec des marqueurs de donjon. Donc si on a terminé l'antre des gobelins, c'est la condition, elle est remplie. Maintenant, ça peut être, il ne faut pas qu'il y ait tel marqueur. On a ensuite les objets. Donc tout à l'heure on parlait de la torche. Si je voulais que ce soit sur la torche, il faudrait que j'aille sélectionner l'objet. Donc ici, torche. Alors quand vous ne connaissez pas exactement le nom des objets, utilisez les étoiles. Donc Inzu Fugen. Mon allemand est exceptionnel, merci. On peut enlever des points de vie à l'objet. On peut enlever des charges à l'objet. Donc on enlève une charge par exemple. Mais ça m'intéresse pas, donc je vais pas faire comme ça. Parce que pour l'éclairage, on a une classe d'objet directement. Donc on va utiliser cette classe d'objet. On peut aussi faire en sorte que la condition soit quand il manque un objet au groupe. En général, on utilise plutôt les avec que les sans, mais ça peut arriver. Donc nous allons trouver la classe d'objet éclairage, qui est de loin beaucoup plus pertinente dans ce cas-là. On va enlever une charge et ça va nous faire notre condition. Comme condition aussi, on a des conditions sur les talents. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est notre torche. Donc on va valider. Maintenant, on peut enlever la condition et on actualise afin de voir la condition apparaître. Voilà, éclairage moins une charge. Il y a quelques terminologies qui restent en allemand, faut pas s'en inquiéter. Donc je répète,
toujours une condition sur le ou les premiers niveaux alternatifs. Et à la fin, pas de conditions. Ça, c'est très important. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les marqueurs.